go freely to all the worlds of my garden. But if the tower tempts you, be wise. Do not let yourself be misled by doubt. For it shall bring death and the end of your generations. So be it. Let your will be done. Salut tout le monde, c'est Yann CR et aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 3 du playthrough sur The Talos Principle, où à l'épisode précédent, j'ai pu récupérer, essayer rapidement, parce que ce sont les premiers niveaux, les ressources nécessaires et où nous avons parlé avec cette chose qui nous dit... bien tiens, on va reparler avec cette chose, bonjour. Ah, il est quitté, il a quitté. D'accord. Bon, je suis triste. il nous a quitté, d'accord. Une fois qu'il a terminé, qu'on a terminé une session avec lui, on ne peut plus reparler, d'accord. Bon, c'est dommage, j'aurais pu lui poser plein d'autres questions. Donc, nous allons... Du coup, quel est ceci? Franchis la lumière, mon enfant, et mon temple te sera révélé. Et il me manque encore 2 pièces. Alors, je veux bien franchir, voir ton truc complètement étrange et ésotérique, mais je vais d'abord chercher les autres pièces, parce que bon, réveiller le lion... Tu n'as pas besoin de recueillir tous les sigils à la fois. Tu es libre de revenir à cet endroit chaque fois que tu le désires. Ouais, mais je te fais pas confiance, donc je le fais quand même. Voilà. Je le fais quand même. Mais merci quand même du faux conseil. Ah putain. Oh la vache, je m'y attendais pas du tout. Ok. D'accord. Il se la joue comme ça. Comment je vais faire? Faut bien que je trouve un moyen. Ah bon, bah, c'était simple en fait. J'avais l'impression qu'il m'avait suivi pourtant. Non, il m'avait pas suivi. Donc voilà, ça fait déjà une pièce. Je vais quand même voir derrière ce qu'il y a. Il n'y a rien derrière, hein. Ouais, et bah je vais encore chercher cette autre pièce. Trio Bombasticus. What? Ah ouais, parce que... Ah. Bon. Alors là, et on a qu'un seul, d'accord. Bah... Non. Voilà. Après, aussi simple que cela, hein. Voilà. Des énigmes à la con, hein, je veux dire. C'est pas comme si on venait pas de résoudre en espace de... Tu es bien assidu. Ce trait de caractère te sera peut-être utile par la suite. Ah, comme quoi? Comme quoi, Elohim? Quand on dit des choses pareilles, on explique exactement à quoi ça va être utile, voyons donc. Oh. Alors... Tu marches maintenant sur les pierres de mon temple, où s'ouvrent de nombreuses portes. Sache que j'ai d'autres temples, car mon jardin est plus vaste que ce que ton œil peut percevoir. Sache que tous ces mondes, je les ai créés pour toi. Ah, et c'est ça l'abondance. D'accord, ça nous sert à ouvrir une autre porte. Mais c'est intéressant. Du coup, on est dans une église. Mais c'est intéressant. Ça nous débloque des choses. Mais c'est... C'est merveilleux. C'est magnifique. On a de quoi faire. Avec une musique bien... bien divine. Donc du coup, on passe au deuxième monde. Que va nous réserver ce deuxième monde? Je me le demande. Avec ce chargement. What? Qu'est-ce que quoi? Mais j'ai rien fait. Pourquoi tu... Mais non! Remets-moi là-bas! Qu'est-ce qui est... Pourquoi il m'a TP? Je comprends pas. Je me casse. Faut que je me casse. D'accord. Alors ce qu'il disait par le fait comme quoi... Ok. Qu'y a-t-il? Échec. Oh! Connexion lecteur réseau. Ow. Oui. J'aimerais bien parler à cette chose. Il y a des informations importantes. Puis-je vous aider? Alors à propos de toi. Et conçu pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur. Des tri dépannage, bah dépanne-moi ce truc. Je pense que vous souhaitez de l'aide pour accéder aux fonctions de réseau. La cause la plus fréquente des problèmes de réseau est de ne pas avoir suffisamment de privilèges de compte. Tiens donc! Dieu! Admin! Bon bah Azerty? Connexion en trop de tentatives. Vous voulez créer un nouveau compte? Bon, allons-y. Nous vous remercions de bien vouloir prouver que vous n'êtes pas un robot. Chargez une série de questions vous est proposée. Les données des attaques. Partie 1, prête. Veuillez remplir les commencer programme de certification. Oui. Bah, ça fait 4. Quelle est votre interprétation de cette image? Il est content. Qu'est-ce qui décrit le mieux une personne? Un citoyen. Vous marchez à travers le désert et vous rencontrez un voyageur assoiffé. Ses yeux sont gonflés par la déshydratation, vous avez de l'eau, mais vous n'êtes pas sûr de bientôt trouver une oasis. Que faites-vous? J'offre la moitié de mon eau. Je sais pas. La partie 1 de la procédure est terminée. Vous recevrez une notification lorsque la partie 2 aurait été générée. D'accord. Donc on fait un test de... Oh. Des... document à lire en faisant pause. Intéressant. Athéna, analyste. Première fois, défaut de... Tac. Principe. Oh, le principe de Talos. Qu'il soit vrai que le géant Talos ou que... D'accord. Bon. Alors, du coup, on a les textes, voilà. Hein. Intéressant. Donc du coup, j'ai pu créer un compte. Je ne sais pas si ce compte va être validé. Donc du coup, faisons du coup des énigmes. Là, on a vraiment le choix. Ah ouais, donc du coup, on peut vraiment, comme il a dit, on peut revenir là où on veut. Donc là, clairement, c'est de l'exploration. Moi, je dis, explorons la zone. Après tout, on sait jamais, il y a peut-être des trucs à trouver en explorant. Quoi? Ça, j'en sais rien. Alors sachant que si je me souviens bien de la démo, j'ai pourtant entendu un espèce de... Ouais, j'avais pourtant entendu un espèce de grincement de d'électricité. Donc ouais, si je me souviens de la démo, l'eau nous tue. Donc on va même tester. Ah non! Ah non, en fait. Et c'est quoi ça? Un autre terminal? Non mais LOL. Terminé. Montage disque dur locaux. Ressources distribuées. Ah ah. Ouvrir erreur.log. D'accord. La machine humaine.html. Vous découvrez que vous n'êtes pas un être humain mais une machine. Jusque-là, votre avis est réel. Tatata. Comment réagissez-vous? Réfléchissez bien à ces questions. Est-ce que vous... votre idée de vous-même change? Est-ce que la même personne... Putain, mais c'est un document qui nous invite à faire réflexion. Solution et... débilité? Eh? Voir tous ces gens aller venir tranquillement me rendre fou. Ils se sont tous transformés en Bouddha ou quoi, je ne savais pas, blablabla, 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 blablabla. Bref! Continue! Oh! Un QR code. Ah! 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 Ça sent l'application, ça! Ça sent l'application! Alors, je vais l'ouvrir, cette application. Que je me suis déjà trompé. Voilà. Je vais ouvrir et ça me donne quoi, du coup? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Les secrets sont partout, parfois jusque dans nos mots... Attends. Oui, parce que là, il ouvre... Parfois juste dans nos mots, je les entrevois, mais mes yeux ne peuvent les lire. Comment cela est-il possible? Eh ben, c'est possible grâce au QR code, mon gars! Alors là... c'est un truc, je vais quand même écrire si jamais avec ma voix j'ai du mal, vous avez du mal à comprendre, je vais quand même mettre un petit texte pour vous écrire ce qui était écrit. Donc voilà, du coup j'explore, je fais juste de l'exploration pour l'instant, on va pas tout de suite à l'énigme, on regarde juste aux alentours, on sait jamais, il y a peut-être des choses cachées, parce que c'est après tout un jeu développé par les créateurs de Serious Sam, il doit bien y avoir des trucs complètement cachés. Je sais pas moi, par exemple une étoile, je pense donc je suis. Putain mais je déconne pas, j'entends un arc électrique. Ouais. En même temps j'explore mais y a rien hein. C'est le vide total. Tiens, est-ce qu'on peut aller sur cette île? Je vais essayer. Quoi? Ah ouais. Ah comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais même pas vu. Quand j'étais petite, un de nos profs, Madame Higgins, nous a demandé de faire une capsule temporelle, d'écrire des lettres pour le futur, afin qu'un jour, nous puissions nous rappeler ce que c'était d'être enfant. Je pensais que c'était stupide, donc je ne l'ai pas fait, et je le regrette vraiment. Donc, j'imagine que je vais en faire une maintenant. L'enterrer dans l'archive au lieu de sous un arbre. Je ne sais pas si quelqu'un la trouvera, mais il me semble important de continuer à parler, de continuer à penser aussi longtemps que possible. On vient de débloquer un message vocal. Est-ce que c'est dans nos... Oui, c'est des capsules temporelles qui donnent du coup des messages. Intéressant. Bon, là, je traverse carrément le truc pour aller à l'autre bout. Qui ne mène à rien. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que... What the fuck? Putain, mais tu m'as foutu les boules, connard! Où est-ce que tu vas? Hey! Hey, reviens ici, connard! Reviens ici! Qu'est-ce que... T'es quoi, toi? What? C'était étrange! Mais on verra cela dans le prochain épisode de ce playthrough, de ce Principle of Talos. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de Pigem.